Pouf, eh ben voilà, eh ben voilà, eh ben voilà. Désolé du retard, on vient de prendre 30 minutes dans les dents. Et pourtant, j'ai jamais été là aussi tôt. J'étais là dès 10 heures à faire les petits essais. Alors, je vois que ça coupe un peu, j'espère que vous m'entendez. À faire les petits essais pour brancher avec le nouvel ordinateur qui n'a pas fonctionné, tout simplement. Et puis, du coup, j'ai rebranché l'ancien qui est une vraie calamité, qui m'a fait une mise à jour. Et donc, je ne sais pas si vous m'entendez parce que l'image coupe. Mais normalement, sur cet ordinateur, maintenant qu'il est branché, ça devrait à peu près fonctionner. Donc, j'attends de vous voir arriver. Surtout qu'en ce qui me concerne, l'image est figée. Je ne sais pas si vous me voyez, je ne sais pas si vous m'entendez, mais il va falloir qu'on commence très vite. Ou alors, on a perdu tout le monde en route, puisque l'entraînement, normalement, était à 10h30. Donc, vraiment, toutes mes excuses. Hein, certains m'ont envoyé des photos en me disant, mais il y a un écran noir. Donc, ouais, j'avais un problème avec la webcam du nouvel ordinateur. Et donc, y avait le son, mais il n'y avait juste pas l'image. Donc voilà, moi je vois qu'il y a une personne qui passe. Alors est-ce un passant ou est-ce quelqu'un qui attend depuis 25 minutes qu'on se connecte pour pouvoir commencer l'entraînement? Voilà. Je vais attendre un petit peu, du coup on va peut-être pas faire le cours à grand monde. Je serai peut-être tout seul, mais tant pis, je le ferai tout seul, puis revisionneront ceux qui veulent. Je suis vraiment désolé pour ce problème technique qui m'a fallu plus d'une demi-heure à pouvoir régler. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Anne a échangé avec moi. Elle était devant son ordinateur. T'hésites pas à échanger. Normalement, j'ai bien mis les codes comme il fallait. Et puis voilà. Je pense que j'aurais certainement perdu un peu du monde en route parce que quand j'ai envoyé un ou deux messages de détresse, je voyais qu'il y avait trois, quatre connectés qui regardaient et qui étaient dans l'attente, justement. Il est possible que là, l'heure soit passée pour certains et que certains ne puissent pas enchaîner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le cours en live, à moins que j'ai certaines personnes qui communiquent. Là, je vois que ça se branche un petit peu. Et puis, je sais que certains font l'entraînement, mais ne peuvent pas communiquer. N'hésitez pas à m'envoyer des SMS s'il faut. Mais je vous dis, avec le retard qu'on a pris, je pense qu'on se donne encore une ou deux minutes. Et dans une ou deux minutes, je fais le cours et je parle peut-être un peu tout seul, si j'ai pas trop de retours des uns des autres, pour que chacun puisse visionner et puisse s'entraîner un petit peu à la maison, parce que c'est le but de ce petit entraînement traditionnel. Voilà, donc préparez-vous. Il est 10h56 pour moi. On se dit qu'on commence dans une minute. Ça nous fera quasiment 28 minutes de retard. Voilà, et désolé vraiment du dérangement pour ceux qui se sont cassés les dents et qui ont attendu la connexion beaucoup plus tôt. Voilà, encore 30 secondes. Et dans 30 secondes, on va commencer, puis on va faire de notre mieux. Allez, eh bien c'est parti. Alors s'il y en a qui nous récupèrent en route, qui font un petit passage pour voir si la connexion est remise, vous n'hésitez pas à envoyer un petit message. Et sinon, moi je fais un cours normalement. On est parti pour 30 minutes de karaté, sur le thème du karaté traditionnel. Alors, on n'a pas de partenaire, alors que la finalité, c'est d'être deux par deux. Mais par contre, on peut peut-être améliorer un petit peu la qualité technique de ce qu'on fait. Alors, on va commencer comme ça, pieds joints, mains sur les genoux, et faire quelques flexions de genoux sans décoller les talons derrière. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va ouvrir très, très légèrement à pied, plier genou avant dans un petit zenkutsu qu'on appelle Motodachi. Et on va commencer ici à mobiliser les hanches en fermeture et en ouverture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur l'ouverture, on va essayer de ne pas plier le genou. On va essayer de garder la jambe arrière tendue. Et on va essayer de ne pas rentrer le genou avant. J'ouvre mes hanches, ma jambe arrière reste tendue et mon genou reste dans l'axe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va essayer de faire ça en dynamique. On ne va pas tirer avec le bras. C'est les hanches elles-mêmes qui vont s'engager. Et on va essayer que les épaules ne soient pas à la traîne. Qu'elles soient en même temps dynamiques pour fixer en fermeture. Et en ouverture, même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. OK. Et on en vient maintenant à changer de jambe et faire pareil. Main à la taille. 1, j'ouvre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se souvient sur l'ouverture. On ne plie pas le genou. On ne monte pas non plus. On essaye de rester bas au moment de l'ouverture. Puis engager. Pareil sur l'ouverture, on ne rentre pas le genou. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, même chose. Sans les mains à la taille, dynamique au niveau du hanche, mais les épaules essayent de bien suivre le mouvement en dynamique et fort au niveau du tronc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on relâche. Allez, on vient croiser les bras devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En avant, on alterne le bras droit et le bras gauche pour échauffer le dos en même temps. 1, 2, vous voyez, je fais participer les hanches aussi. 3, 4, 5, 6. Anne, tu dois connaître ce mouvement normalement, même si je le fais peut-être pas très bien. En arrière, même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK, tranquillement ici, on déploie les bras en alternance, de plus en plus vite, quelque chose de coulé. Allez, c'est parti. Quand je vous ai fait travailler les hanches, on a fait un petit zenkutsu, un tout petit, ça s'appelle Motodachi. C'est utilisé en Shotokan, c'est utilisé dans d'autres styles, notamment le Shitoryu. Maintenant, on va arriver à notre vrai zenkutsu, celui où on a une bonne longueur, le zenkutsu du Shotokan, d'accord, et une largeur suffisante. On met les mains dans le dos et on essaie de tenir simplement 20 secondes. Attention à ce que votre pied ne soit pas trop comme ça. Le pied soit bien dans l'axe. Pareil, le genou ne doit pas être non plus dans le vide. Ce n'est pas bon pour les genoux. On se met ici. Et donc, on tient maintenant 20 secondes sans bouger. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je regroupe et je change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on relâche. Alors en fait, les zenkutsu, il y a trois formes. Il y a le zenkutsu normal, il y a un zenkutsu qui a les pieds un peu plus sur la même ligne, voire même qui serait limite un peu plus long. C'est celui qu'on peut faire dans Basai Dai. Nous, on utilise le vrai zenkutsu, mais on peut utiliser le zenkutsu pied sur la même ligne. Pareil à la fin, on utilise le vrai zenkutsu, mais on peut utiliser le zenkutsu pied sur la même ligne. C'est une variante. Et c'est même assez juste sur des techniques courtes de pouvoir allonger et d'avoir vraiment une ligne de force comme ça vers l'avant. C'est le zenkutsu qu'on utilise dans MP. On ne le faisait pas autrefois. On avait un zenkutsu normal penché. D'accord ? Mais depuis quelques temps, depuis quelques années, nous aussi, on fait pied sur la même ligne pour ensuite replacer le pied. Et c'est plus logique d'avoir le pied sur la même ligne pour bloquer là plutôt que d'être large et de ne pas réussir à bloquer la jambe. Donc, on va essayer de passer de l'un à l'autre. Vous mettez bien de face, la bonne largeur du zenkutsu. On va alterner un zenkutsu un peu pied sur la même ligne et revenir de face. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
forcément, pieds sur la même ligne, on a les hanches de profil, vous l'avez compris. On change de côté. 1, 2, 3, profil, 4, face, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Je sais, certains d'entre vous disent peut-être, ben moi ça tombe bien, je suis toujours pied sur la même ligne, donc en fait je suis super bon. Non, non, en général on ne le fait pas. Et puis il y a un troisième zenkutsu. Pas le motodachi de tout à l'heure, mais un zenkutsu un peu plus court. Celui qu'on retrouve dans le kata yan nidan. Un zenkutsu un peu plus court. Et donc on va essayer de passer de l'un à l'autre. On va essayer de faire les trois. On va faire même ligne. On va même pencher le corps et regarder derrière. Puis ensuite, normal. D'accord ? Puis ensuite, plus court. Même ligne. Pencher ici, comme Basai Dai, comme Bujushi Osho, comme Enpi. Normal. Plus court. On y va ? Même ligne. Ich. Normal. Ni. On va rester profil. Pour engager la hanche, sans sur le plus court. Même ligne. Pitch. Niche. Sans. Voilà, ça commence à se compliquer un peu. Hein. Pitch, même ligne. Nique normal. Sans plus court, avec retrait du pied qui gratte. Pitch. Nique. Sans. Quatrième. Pitch. Nique. Sans. Cinquième et dernier. Ich. Nik. San. Et on relâche. On fait à chaque fois des séries très courtes. Je préfère que vous puissiez revisionner cette vidéo d'entraînement plusieurs fois et refaire, pourquoi pas, après la séance de 30 minutes, refaire vous-même certains exercices sur lesquels vous avez eu du mal, plutôt qu'on ait tendance à faire du surplace et qu'on n'avance pas assez vite pour certains d'entre vous. On fait pareil de l'autre côté. Même ligne. Ich, je regarde arrière, penché. Nik, normal. Sans, hanche. Et je reviens même ligne. Ich, nik, sans. Troisième. Ich, nik, sans. Quatrième. Ich, nik, sans. Cinquième. Ich. Ni. Sans. Et on relâche. Ça vous apprend à bien définir vos pieds. Certains ont les pieds sur la même ligne justement parce qu'ils n'ont pas conscience de leurs appuis. Là, ça vous développe la conscience des appuis. Maintenant, on va rajouter des blocages en pensant un petit peu à ce qu'on fait dans certains katas. Le premier, vous vous en doutez. Je fais Gelen Barai en arrière. Le deuxième, je vais rester de profil pour passer Gelen Barai normal. On pense au kata Enpi là. Le troisième, tel Bujushi Osho ou tel Yan Nidan, d'accord, retrait avec Uchiuki. Puis je repars, profil derrière, redresse en retrouvant une bonne largeur, puis ici, une dynamique de hanche qui va me permettre de ramener mon pied et de retrouver ce Zenkutsu plus court. On est parti pour cet exercice. Allez, on s'accroche. Ni. Sans. Deuxième. Ich. Ni. Sans. Troisième. Ich. Ni. Sans. Quatrième. Ich. Ni. Sans. Cinquième. Ich. Ni. Sans. Et on relâche. On va refaire la même chose de l'autre côté. Jambe droite devant. Blocage du bras gauche qu'on retrouve dans quasiment aucun kata. Gelen Barai droit. Et là, la dynamique de hanche sur le retrait du pied au moment du Uchiuki. Pour repartir et faire la même chose. On est prêt ? 5 fois. Ich. Ni.
100. Deuxième. 1. 1. 100. Troisième. 1. 1. 100. Quatrième. 1. 1. 100. Cinquième et dernier. 1. 1. 100. Et on relâche. Ok. Je vous avais demandé ici d'être de profil. Ici de rester de profil pour pouvoir mettre la dynamique de la hanche sur le yaku uchiuke qu'on retrouve dans Bujushi Osho, qu'on retrouve dans Yan Nidan. Dans Yan Nidan, c'est plus compliqué que ça. Parce que je ne suis pas de profil. Je suis engagé de face. Je dois relâcher ma hanche pour la réengager. Je suis de face. Je dois relâcher ma hanche pour la réengager et retirer le pied au moment de la fin du uchiuke. Donc on va revenir sur le même exercice et on va rajouter un truc point. Pour avoir la même difficulté qu'on retrouve dans Yan Nidan, retrouver les différents Zenkutsu, les placements d'appui et une bonne dynamique de hanche. Je vous montre, ça donne ça. Je suis de profil, je frappe Yakutsuki. Et là, je dois redétendre ma hanche au moment de l'armée. Souvent, je fais sans armée pour simplifier la chose, mais normalement, il y a une armée ici. Et redynamiser la hanche au moment du retrait du pied. C'est souvent un moment qui est très mal fait. Pour les gens qui commencent le karaté, qui passent la orange, des fois même encore un peu après, c'est pas terrible. Et puis souvent, ce catalan, on choisit pour la ceinture noire. Et là encore, il faut que des choses comme ça soient bien maîtrisées. Donc, on fait ce petit exercice 5 fois tous ensemble. 1. 2. Yakutsuki. 100. Relâche, prépare. Et renvoie la hanche avec retrait du pied glissé. Sans taper du pied. Deuxième. 1. 2. Yakutsuki. Et chi. Troisième. Yakutsuki, 100. Chi. Quatrième. Ich. Ni. 100. Chi. Cinquième et dernier. Ich. Ni. 100. Chi. Et on relâche. On souffle bien, ça va commencer à chauffer un petit peu dans les chaumières si vous faites bien les exercices, en espérant que vous arriviez bien à trouver ces sensations et ces placements. Et on va faire pareil de l'autre côté. Allez, c'est parti. Je suis de profil et j'engage le yakutsuki et la hanche. 100. Puis je redétends ma hanche au moment de l'armée. Pour redynamiser avec le retrait du pied. Deuxième. Ich. Nik. Sank. Chi. Troisième. Ich. Nik. Sank. Chi. Quatrième. Ich. Nik. Sank. Chi. Cinquième. Ich, ni, san, chi. Et on relâche, on souffle bien. Vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau. Fin de ce premier thème. D'accord, donc ce cours-là, je le fais toujours en ayant en tête un kata. Certains se disent, est-ce que c'est Npi, est-ce que c'est Guju Shusho, est-ce que c'est Yan Nidan? Peut-être qu'après, est-ce qu'on va dire, vous penserez plutôt à Konkudai ou autre, ou Yan Nidan, par exemple. Voilà, j'ai pas de messagerie. Je sais pas si j'ai bien tapé le truc. J'ai pas beaucoup de connectés. Si vous rejoignez en cours, on a eu un énorme bug de connexion. Pendant 30 minutes, j'ai pas réussi à me connecter sur l'ancien ordinateur. Je suis connecté là. Donc je pense que j'ai perdu du monde en cours. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens. On avait 140 vues, je crois, il y a 2 semaines. Beaucoup de gens qui aiment bien faire le cours après. Ceux-là, ils vont être contents.
Parce que si j'échange moins avec vous, on pratique plus. Et les gens qui ne sont pas en live, eux, ce qu'ils veulent, c'est « Allez, donne-moi des thèmes d'entraînement. Parle pas trop, s'il te plaît. » Donc là, bienvenue à tous ceux qui prennent en cours, parce qu'on repart tout de suite sur un deuxième thème. Allez, échauffement, on l'a fait vite. On a échauffé les parties dont on avait besoin. Là, on aura besoin de la souplesse des ischios pour ne pas se blesser. On met une main devant et on vient avec la pointe des orteils. Toucher ici simplement pour alerter et échauffer tranquillement de manière dynamique ses ischios jambiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on garde les pieds ici en face. On a une petite garde et maintenant gentiment, tranquillement, on va déployer le Maigiri Chudan. Allez, ensemble. Hit. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sit. Apt. Q. Du. Allez, maintenant, on va zoomer sur une chose, c'est le pied d'appui. Et j'aimerais que notre perfectionnement sur ce deuxième thème soit précisément sur le travail du pied d'appui. Qu'est-ce qui se passe? Quand je fais un Maigiri, s'il est correct, il doit y avoir un mouvement de hanche en avant et en arrière. Non pas une bascule des épaules là-bas, mais bien une avancée de hanche au moment de la frappe. De hanche au moment de la frappe. Certains, au moment de l'engagement du corps, décollent le talon d'appui. Vos talons doivent toujours rester au sol. Donc on va faire ce petit travail-là, où on va lever le genou. On va engager la hanche comme si on frappait, mais on ne va pas frapper. Je lève, j'engage, je ramène. Je lève, j'engage, je ramène, sans décoller le talon d'appui. C'est parti. Ich. Ni. Pensez bien, il y a « j'engage », il y a « je ramène ». Sans, j'engage, je ramène avec stabilité. Chi. Go. Lock. Sit. Hatch. Q. Tu. Alors, le problème, c'est que dans le coup de pied, on fait un effort supplémentaire. Appel à cette souplesse-là, on envoie cette jambe. Et donc, on envoie davantage vers l'avant. Ce qui fait que certains vont effectivement décoller le talon, ce qu'il ne faut jamais faire. Karaté, on essaie d'être bien installé. Envoyer la jambe, envoyer la hanche, en gardant le pied dans l'axe et sans décoller le talon, c'est quasiment impossible. Plus de 50% d'entre vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez le pied. Vous avez le droit un petit peu, mais pas beaucoup. Si vous faites beaucoup, vous tombez sur l'autre. Si vous faites beaucoup, vous mettez en danger votre genou, votre équilibre, la suite de votre enchaînement en combat, etc. Et donc, on va essayer de développer, on va s'autoriser à ouvrir le pied, mais un petit peu. Je le dis, j'ai beaucoup de gens, des jeunes athlètes, des 3e, 4e dan, 5e dan, des fois qui me font ces erreurs-là, et beaucoup de débutants. Les débutants, c'est plutôt décoller le talon. Les plus gradés, c'est plutôt trop ouvrir le pied. On va essayer d'ouvrir suffisamment pour avoir cette dynamique de hanche, se déployer de jambes, mais pas trop. C'est le pas trop qui protège le genou et permet l'équilibre au retour. J'espère que vous avez compris. On y va. Ni. Si vous n'êtes pas stable, probablement avez-vous trop ouvert le pied. Sans. Chi. Go. Lock. Sit. Hatch. Q. Du. Yami. Parlons combat maintenant. La finalité, c'est de pouvoir le placer en combat. Le geste ne va pas suffire. Sauf si vous êtes contre un nul qui est trop près. Mais normalement, une vraie distance de combat, le geste ne va pas suffire. Il va falloir aller vers l'autre. Et donc, il y a tous ceux qui vont rajouter un temps d'appel avant. Et là, en karaté, ça ne pardonne pas.
le temps d'appel, on prend tout de suite le contre. D'accord ? Il y a ceux qui, parce qu'ils maîtrisent cette ouverture de pied, vont être capables de glisser et de mettre. Donc, compenser le manque de distance par une glissade, mais une glissade qui va être contrôlée, parce que ce pied, oui, il est ouvert, mais pas trop. Si mon pied est trop ouvert, au moment où je frappe, c'est dangereux pour le genou, c'est dangereux pour la suite, pour lui comme pour moi. Et donc, on va essayer de refaire un maigiri où on glisse, mais où on a réussi à tenir l'équilibre parce que le pied n'est pas trop ouvert. Je glisse, mais je tiens l'équilibre parce que mon pied n'est pas trop ouvert. Bon, ça se complique. On essaye tous ensemble. Ich. Ni. Sans. Ti. Go. Lock. Sitch. Hatch. Cube. Dieu. Yann. Je parlais de combat. Je parle maintenant passage de grade. Je prépare ma ceinture noire, premier dan, deuxième dan, troisième dan. On me demande Kizami Maigiri. Alors, dans l'intitulé, c'est Kizami Maigiri avec sursaut. Mais avec sursaut, ce serait ça. Bon, en fait, quand ils disent sursaut, ils veulent parler de pas chasser. Bien, c'est pareil. Si je ramène mon pied comme ça, ça va être une catastrophe. Si je fais un pas chassé comme ça, je n'ai aucune force latéralement, c'est dangereux pour mon genou, c'est pas bon pour mon équilibre, pour mon retour. Donc le travail que je vous ai demandé, au moment du pas chassé, vous devez placer votre pied, pas complètement serré, mais retrouver l'ouverture. Ni trop, ni trop peu. Cette fermeture du genou là, qui nous fait penser un peu à Neko Ashidachi, pour frapper. Ok ? Donc on va essayer de retrouver ce principe dans notre travail de Kyo, de préparation à premier, deuxième, troisième dan. Mettez-vous cette fois-ci en position de combat, c'est-à-dire en pliant la jambe arrière. Ich, le pied un peu plus dans l'axe, pour hanche, et revient. Ni. San. Chi. Go. Toujours la hanche en avant. Maintenant, on essaie de faire ça beaucoup plus vite. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ok. Alors, la ceinture noire, justement, c'est 3 à 5 fois. Vous pouvez faire toujours du même côté si vous souhaitez. Vous pouvez aussi alterner les côtés. Allez, on passe jambe droite devant. Mijigamae. Et on place. Ni là. Ni là. Ni. On n'oublie pas de mettre un petit peu de hanche. Sans. Chi. Go. Plus vite. Ich. Ni. San. Chi. Go. Et on relâche. On essaie de cumuler un petit peu. Cumuler l'idée de la glissade en combat avec l'idée du bon pas chassé. On appelle ça Tsugiyashi. On va faire un mélange des deux. Pas chassé, glisser. Dès le début, je sens que j'ai bien mis mon appui. Je sens que je glisse pour lui mettre en combat. Mais je sens que je suis stable ici sur cette jambe d'appui grâce à un bon placement du pied d'appui, justement. Tranquillement, en garde. Place. Glisse. Deuxième.
place, glisse. Même si je pose en avant, je sens l'équilibre. Troisième. 100. Chip. Go. On relâche. Je vais court à chaque fois, mais ces petites progressions, ceux qui ont un sac de frappe chez eux, ça peut être intéressant de reprendre exactement le travail. Donc bien placer son corps, ses appuis, mais avec l'impact. Et plus vous frappez, plus l'équilibre est difficile à trouver. Ce qu'on a besoin pour des passages, ça tourne voir premier, deuxième, troisième dan, et puis en plus ça défoule un peu, mais sans taper bêtement dans la cible. Donc n'hésitez pas à reprendre cette progression-là pour travailler sur une cible. Nous, on fait tout de suite l'autre jambe. Pitch. Knee. Sort. Chin. Go. Et relâche. Alors, au moment de la ceinture noire, ne faites pas la glissade. Hein. D'accord ? Restez sur un pas chassé standard pour revenir. Ok ? On retrouve ça. Alors souvent, c'est mal fait. Je suis dans Kunkudai, je suis dans Yan Yodan. On retrouve des gens qui nous font ça. C'est pas juste. On retrouve des gens qui nous font ça. C'est pas juste, même si ça, c'est souvent fait pour les éducatifs, pour les gens qui enseignent le kata. Le vrai mouvement juste, il se fait normalement rapide. Certains le font ralenti. C'est de retrouver ce placement du pied arrière, le pied le plus en axe possible, mais pas trop, et le corps sur la jambe arrière, pour frapper Maïgeri, mais aussi pour frapper Yokogeri. Donc on va se faire une petite série de ça. Ça va nous faire penser à certains katas. On est en garde, on place notre pied arrière, on frappe Maïgeri, puis on vient frapper ici, sur le côté, Yokogeri. Mon pied est dans l'axe, puis toujours dans l'axe, mon pied va s'ouvrir, revenir, oh là là le boulot, et replacer. Je remonte, bien mis, frappe, ouverture, retour, et reviens. Donc là, ça commence à se compliquer un peu plus, mais vous êtes en train de faire un travail fondamental pour la qualité de vos coups de pied, de votre ancrage, de votre stabilité, de votre équilibre, et la protection de vos genoux, en plus, qui doivent rester pliés. J'en dis pas plus, on essaye tous ensemble. En garde. Hitch. Knee. Sans. Pas trop si vous n'êtes pas assez chaud au niveau des adducteurs. Chi. Go. Ok, on relâche. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Allez. L'autre jambe devant. Hic. Nick. Sans. Chi. Go. Hey Yamé. On relâche, on n'a pas totalement fini. Parce qu'on essaye de retranscrire l'intérêt de ce travail dans les katas. Donc là, vous avez vu, on retrouvait des choses à ce moment-là. Pareil, si je prends Yan Yodan, justement, dans la ligne, il y a un enchaînement de Maïgeri, Yakutsuki. Il n'y a pas que dans ce kata-là, il y en avait plein d'autres. Si je suis ici et que j'ouvre trop mon pied, je ne suis pas bien, j'essaie de mettre la hanche avec un pied trop ouvert. Je tombe, je me fatigue l'intérieur du genou, je tire trop sur les fléchisseurs. C'est mauvais. Donc, je suis ici,
Je dois, au moment de la frappe, je suis en yakutsuki, je dois, au moment de la frappe, tenir mes bras, ouvrir le pied, mais pas trop, pour qu'il me permette de pousser sans tomber. Donc on va se mettre comme ceci, on va veiller au même critère, un peu le pied mais pas trop, pour ensuite, parce que j'étais bien, mettre de la hanche sur le yakutsuki gauche. Ok ? Allez, on est parti ! Et je reviens en yakutsuki. Ni. Sans. Chi. Go. Ok. On va changer de côté. Et on va faire exactement le même travail dans cet enchaînement pied-poing, d'avoir un pied d'appui bien, bien, bien placé. Ni. On est concentré sur le bas, mais on continue à tenir le haut. Hein. Pendant le coup de pied, on ne décolle pas le coude. Sans. Et on relâche. On est dans un cours plutôt traditionnel, plutôt technique, pour des techniciens ou pour des adultes. Salut Anne, je vois que tu m'as mis un petit coucou. Prends-le bien ce cours, hein, parce que je pense qu'il nous fait bien travailler, même si je fais cours avec moins de personnes. Les compétiteurs, c'est pareil. Hein. Quand ils sont à faire leur ballet d'escrime de jambes, si ensuite ils veulent pouvoir enchaîner une qualité de poing derrière leurs jambes, ils ont besoin d'être fort sur cette jambe d'appui, de retrouver un arrière pour piquer. Et tous ceux qui ne sont pas forts, là-dessus, ils sont moins à l'aise, ou bien ils ont des grosses qualités, mais des fois ils tombent dessus. Ça tombe bien, je vois qu'Anne est connectée. C'est le travail qu'on a fait lundi avec Lucas, quand il m'a fait ses 30 en 30 secondes, là, le travail de la jambe d'appui pour affranchir les poings. Chez lui, on avait besoin de corriger ça. Et par exemple, au combat, Lucas, qui est toujours très très bon, des fois, il frappe en tombant un petit peu sur l'adversaire. Et c'est uniquement à cause de ce travail technique-là qu'on va faire une dernière fois. Une dernière fois, en juxtaposant le premier exercice, celui du relâchement de la hanche pour engagement du Uchiuke et retrouver le petit Zenkutsu. Ça nous fait ça. Je suis là. J'engage le Magiri sans trop ouvrir le pied. Je peux mettre des hanches. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais relâcher ma hanche au moment de l'armée pour la redynamiser et retrouver un Zenkutsu plus petit. On est parti pour 5 fois aussi. Allez avec moi. Prêt? Et je recule. Mais. Troisième. Sans. Quatrième. Chi. Cinquième. Go. Et relâche. On souffle un petit peu, on va prendre pareil de l'autre côté. On peut se tourner de l'autre côté, l'important c'est de bien faire l'autre jambe ou l'autre bras. Si vous tournez mais que vous faites toujours la même jambe et le même bras, ça n'a pas d'intérêt. Allez, on y va. Ça. Chi. Go. Et on relâche. Allez,
il soufflait bien, c'était la fin du deuxième thème. Prenez une gorgée d'eau. Salut Philippe. Bon, t'arrives en retard, je te rassure moi aussi Philippe. J'ai eu un problème d'ordinateur, on a un nouvel ordinateur mais la webcam marche pas. Donc bon, je règle ça, du coup j'ai chargé l'ancien qui lui est pourri, m'a fait des mises à jour et mes trois plombes. Donc en fait on a commencé depuis peu de temps. Tu as ton mémoire pour ton sixième Dan. Et c'est vrai que je suis pas trop dedans, en plus je pouvais y aller au sixième Dan là en début de saison, mais enfin, j'ai un petit peu autre chose à faire en ce moment. Faudra bien que je m'y penche un jour tranquillement. Et donc, du coup, on parle un peu moins, on échange un peu moins parce qu'on a moins de connectés. Vous étiez 140, je crois, hein, l'autre fois, avoir fait ou avoir visualisé la séquence. Tout le monde pourra visualiser cette séquence après se faire une petite demi-heure d'entraînement. On a travaillé sur deux thèmes et on continue maintenant à travailler sur un troisième thème tous ensemble. Un thème très basique. Très, très, très basique. Parce que normalement, j'ai des ceintures jaunes, blanches, jaune-orange qui le font. Et le problème, c'est mes athlètes en kata, ou des fois mes hauts gradés, qui font aussi des fautes de base. Mémoire karaté, confinement, effectivement. Qui font des fautes de base sur le Jodan Nage. Okay. Allez, on y va. Placez-vous face à moi. Voilà, on revient à un cours, tout ce qui est le plus basique. Le Jodan Nage okay ne s'arme pas ici. Quand on regarde bien, on voit beaucoup de pratiquants faire ça. En termes d'efficacité musculaire, c'est nul. Ça n'a aucune force. Testé sur quelqu'un qui appuie, ça n'a aucune force. Pour être fort, votre bras doit être ascendant. Ascendant, parce que là, il est fort musculairement, pour vriller en fin de mouvement. C'est très basique, on dit ça aux débutants, mais tout le monde fait cette faute. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas passer par là, il faut passer devant le visage pour prendre le point. Et à force de passer de ce côté-là, eh bien, au lieu de passer là, tout le monde commence à venir passer ici, mais je vous le dis, il n'y a aucune efficacité dans votre blocage. Donc oui, je viens prendre la tête pour prendre le bras, mais non, je n'ai pas le bras à l'horizontale, j'ai au contraire un bras vertical qui vrille en fin de mouvement. On essaie de corriger, parce que alors ça par contre, surtout quand je vois des ceintures noires me faire ça, ou les athlètes, ça me rend furieux, parce que c'est du toc. On y va ? Donc, je monte vertical pour prendre le visage et je tourne. Ni, je monte et je tourne. Sans. Voilà. Oui, je fais une petite bifurcation, mais pas trop. Chi. Go. Lock. Sit. Hatch. Q. Du. On essaie de s'approcher du juste mouvement. À une époque, il y a les anciens directeurs techniques nationaux, ont essayé de pondre un livre pour justement se rapprocher du juste mouvement sur le Jodan Nage Ok. Et du coup, en réexpliquant qu'un Jodan Nage Ok, c'est un bras tendu, main ouverte, ça crée une grande confusion dans l'esprit de beaucoup de karatékas qui ont fait n'importe quoi après. Mais pourtant, ils ont raison. Donc le blocage, on va essayer de préparer comme ceci, épaule basse, pour passer là. Préparer pour passer là. On y va ? Ik. Ni. San. Toujours cette même trajectoire. Chi. Go. Lock. Sich. Hatch. Q. Ju. Ok. On a bien défini le temps de préparation. On a fait un travail sur le positionnement des hanches et des enkutsu au début. On va essayer de mêler tout ça. D'accord ? Faire travailler sa machine comme il se doit. Au moment où je prépare, je vais regrouper, fermer, hanches, pieds serrés, genoux serrés, pour retrouver une bonne trajectoire et le travail d'ouverture qu'on a dit au début avec le genou bien placé. On y va ensemble tranquillement. Pitch. Verrouillez votre hanche. Épaule basse. Nick. San. Chi. J'ouvre ma hanche, mais le genou reste dans l'axe. Go. Lock. Sit. Hatch. Q. Ju. Deuxième chose. En aucun cas, votre poing est de ce côté-là du coude. Votre poing, pour garder une ligne de force, est légèrement devant le coude.
et surtout pas derrière. Souvent, on rapproche du front, mais là encore, il n'y a plus de force. Donc, on fait attention à ça. On prend le même exercice, on dynamise plus notre pratique, y compris sur le temps de l'armée. Prêt ? Ich. Ni. Sa. Chi. On fait attention au placement du poing. Oups. Lock. Sitch. Hatch. Cup. Dieu. Et on relâche. Quand je vous disais que c'est un foutu bazar, c'est qu'entre la préparation qui est bras tendus et le blocage, mes mains ouvertes, eh bien les deux se ressemblent beaucoup. Dans Yan Chodan, on a vu des gens qui confondaient les préparations et les blocages, les préparations et les blocages, un bazar, pas possible. Quand on arrive dans le kata Jion, entre une préparation, un blocage, etc., voilà, c'était compliqué aussi. D'accord ? Donc, on va essayer de faire attention parce que maintenant on passe à la famille blocage. Je vais bloquer en bas. Puis du même bras, retrouvez ce que je vous ai dit. Retrouvez ce que je vous ai dit. Surtout pas ça pour bloquer là-haut. Préparation. Bloc et même baraille. Et du même bras, cette fois-ci, ce n'est plus une préparation, c'est un blocage, mais main ouverte. Ah, ça commence à se compliquer, hein. Allez, je parle plus et vous essayez d'imiter. Du même bras. Prépare. Niche. Du même bras. Prépare. Sans. Chi. Go. Lock. Sitch. Autant de force en haut qu'en bas. Hatch. Q. Du. Et relâche. Dernière étape de ce petit exercice-là, de cette petite progression, on va le faire sur place. On ne va pas bouger. Regardez bien. Je bloque en bas. Du même bras comme je vous l'ai dit. Je bloque en haut. Puis ensuite, avec l'autre, je bloque comme ça. Ensuite, c'est ce bras qui est en haut qui doit rebloquer en bas. Le même bras remonte et je change point fermé. Celui du haut bloque en bas. Le même bras remonte et change point fermé. Celui du haut bloque en bas. Le même bras remonte et change. Bon, ça devient un peu compliqué, mais on essaye. Certains, ça va vous faire penser à un truc. On y va ? Ça. Ich. Nich. Ça. Ich. Nich. Ça. Ich. Ni. Ça. Ich. Ni. Chi. Ich. Ni. Go. Yami. Bon, ben ce matin, là, on vient travailler trois petits thèmes. On vient travailler un thème de jambes qu'on a décliné en kata, en combat. Les neurones travaillent, c'est top. On a travaillé en les jambes pour le kion sur cible du passage ceinture noire premier, deuxième, troisième dan. On a travaillé les jambes par rapport au kata, par rapport au kion, par rapport au combat, etc. On a fait un travail de position et de hanche. Là, on vient de faire un travail un peu plus sur les bras. Et effectivement, tout ça, vous avez dû remarquer que ça se transpose en plein de katas. Alors, je dis bien dans ce cours-là, en fait, on améliore sa technique, la justesse de sa pratique. Mais on ne va pas prendre un kata parce que ceux qui connaissent, ils vont s'ennuyer. Et puis, ceux qui ne connaissent pas, ils vont être largués. Donc, mieux vaut qu'on pratique et qu'on essaye tous ensemble d'améliorer la qualité de sa pratique sur des détails techniques de placement qui nous rendent un peu meilleurs quand même, tant pour le combat que pour notre pratique en,
en cata, et puis pour notre santé aussi, d'accord, plutôt que de faire autre chose. Donc, accessoirement, vous avez vu que ça se transposait dans plein de kata. Celui sur lequel ça se transpose le plus, c'est Yan Nidan, le cours qu'on vient faire. Donc, on va le faire juste une fois, tranquillement. Si vous faites un coucou d'œil, vous allez voir plein de transferts de ce qu'on a fait aussi. D'accord ? On va faire Yan Nidan une fois. Et puis, ceux qui disent, bah ouais, Yan Nidan, justement, ça me plairait de travailler un peu plus. Je vous rappelle que sur cette chaîne, il y a une vidéo, j'apprends Yan Nidan. Et donc, si vous voulez juste après, vous allez dans « J'apprends les katas » et vous faites « J'apprends Yan Nidan ». Et là, vous avez à nouveau 10 minutes avec moi. Vous pouvez le faire, le voir sous plusieurs axes. Vous le remémorez pour pas l'oublier, mais surtout, le repratiquer avec un regard nouveau, avec le regard de la séance qu'on vient de faire là, pour qu'il y ait des transferts qui se fassent entre l'entraînement et votre pratique en kata. Parce que ce qu'on fait là, c'est bien, ça fait transpirer, ça fait qu'on se retrouve un petit peu, d'accord, et qu'on fait un petit peu de sport à la maison. Mais le but quand même, ce serait d'améliorer notre qualité en combat et d'améliorer notre qualité de pratique en kyon et en kata. D'accord. Donc, je vous recommande vivement de télécharger la vidéo Yan Nidan, de refaire, ça fait 10 minutes cette vidéo-là, de le refaire toujours en plaçant comment je place mes pieds, comment je place mes hanches, quel zenkutsu je dois utiliser, comment je dois faire le travail des bras. Nous, on le fait une fois ensemble. Je vous rappelle ce qu'on vient de travailler durant la séance et j'espère que vous rajouterez 10 minutes à cet entraînement. Allez, tous ensemble, c'est parti. Salut. Yoroi. Donc, on est sur le kata Yan Nidan, deuxième kata de base. Ich, ni, san, ich, ni, san. Attention, première chose qu'on a travaillé. Comment je fais le regroupement de jambes? Comment je place mon pied arrière? Ich, ich, ni, san. Ich, ni, ich, ni. Attention, on est sur le deuxième thème qu'on a travaillé. La mécanique de hanche, le retrait pour un zenkutsu un peu plus court que la normale. Ich. Maintenant, comment je mets mon pied d'appui au moment du maigeri pour enchaîner yaku. Ich. Maintenant, la dynamique de hanche pour retrouver ce zenkutsu un peu plus court. Ich. Ni, le pied d'appui et la hanche au maigeri. Ich. Ich. Maintenant, je dois bloquer en haut aussi fort, c'est pas toujours fait, aussi fort, avec une bonne trajectoire de bras, et tout ça à 45 degrés, ce n'est pas une préparation. D'accord? Aussi fort, ich, et bonne trajectoire, remontante et juste. Ni. Le même bras rebloque. Ich. Aussi fort et bonne trajectoire. Pareil, bonne trajectoire en passant par le centre. Et yo. Donc, le petit cours qu'on a fait qui se transpose dans plein de domaines de notre pratique traditionnelle hebdomadaire, on la retrouve beaucoup dans ce kata Yan Nidan. Du moins, ce sont les angles que j'ai choisi d'étudier ce matin. Voilà, voilà. Comme disait Philippe, ça me rappelle un kata. Donc, je vais vous laisser. On vient de faire une grosse demi-heure. Toutes mes excuses. Bon appétit à tous. Ciao. Bonjour, un énorme merci pour ce partage d'une hors club. Salut Nathalie, c'est avec grand plaisir si tu as fait l'entraînement. N'hésite pas, on a été plus de 140, je crois, mercredi, il y a deux semaines, mercredi dernier, c'était férié. Et puis là, ben, j'ai bugué, je pense que j'ai loupé plein de monde en route parce qu'on avait un problème d'ordinateur. Voilà, bonne journée à tous.